Micro test, on teste le micro. Mais maman, oh, maman, oh, y'a mamie, oh, tawata, oh, y'a mamie, oh, vunyama, oh, y'a mamie, oh, y'a papa, oh, m'a sa yomi, oh, m'a yuba, yo, y'a m'bébé, oh, y'a yuba, yo, y'a m'chirima, m'a yuba, langue, la fique d'inta, m'a yuba, langue, la fique d'inta. C'est bon, on y va. À moins tu ne me trouvais pas. Mais tu sortais comment alors que je t'ai envoyé un message MST dans ton téléphone? Regarde ton téléphone. Tu vois pas, tu n'as pas vu mon message MST? Ah, je viens de voir, comme je suis pressé là. Je sais comment ça dit, toi tu es terrible. Hein? J'ai parlé, j'ai insisté. Que attends-moi. Je veux. Je vais te dire un truc. Hein. Moi que tu vois, je suis René de nouveau. Ah bon? Comment? Attends, on t'a dit non? J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie et mon âme, ma conscience, bref, tout mon corps. J'ai donné au Seigneur. Je ne suis plus dans le monde mondain que tu connais là, le vieux. Tu sais que le diable nous aveugle. Le diable que tu vois est trop fort. Le diable nous trompe avec les chosonneries de la vie. Mais quand Dieu touche ton cœur, c'est où tu vois que tu as longtemps vécu sans vivre. Pourtant, tu devais vivre. L'Éternel est merveilleux. Trop merveilleux même. L'Éternel est miséricorde. Je t'assure que depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je me sens léger. Tout baigne dans ma vie. Je ne me retarde plus sur les choses de la terre. Tout pour moi est vanité. Avant, je pouvais boire un casier, non? Ah oui? Je bois que l'eau maintenant. Avant, tu pouvais me voir. Je suis dans le deuil. J'ai laissé tout. J'ai laissé tout. C'est vrai. C'est vrai. Comme on l'a conté au quartier que tu es en train de prêcher, c'est la vérité. Mon nom a changé. Hein? Tu n'es plus Figon. L'abbé. Ah bon? Tu m'appelles Figon, si tu ne me tournes pas, ne te plains pas. Si tu ne dis pas l'abbé. L'abbé Figon. L'abbé, pas la vraie l'abbé. 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 Oui, l'abbé. L'abbé. Oui, pas l'abbé, l'abbé. L'abbé. Oui, l'abbé. L'abbé Figon. Miséricorde. L'abbé Figon, miséricorde. Miséricorde. L'abbé Figon, miséricorde. Miséricorde, oui. Bon, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Je veux quand même. Tu sais, vieux, je t'aime beaucoup. Je te demande pas si c'est pas ce que toi et moi on a fait de pas le passer dans le monde mondain. Je ne sais jamais venir ici. Hein. Et tu sais, pour que Dieu t'aide, sois sincère, sois honnête. Oui, tu vas venir à mon église, non? Tu vas voir les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires que je parle, je prêche l'évangile. Tu vois comment ils restent comme ça. Ah bon? Hey. Viens dimanche. Non, dimanche je serai là. Les gens soient là. Ils ne peuvent pas atteindre mon niveau de prêcher l'évangile. Les gens soient et ses amis, ils ne peuvent pas. Les vieux, parfois je parle les cantiques, l'eau bout. Je parle comme ça, mais c'est l'eau de l'Éternel. Hein? Ça. Hey. Où? Je parle les cantiques, l'eau bout. Jusqu'à tu peux tourner au coussous. Tu es là, non? Uh-huh. Tu as les pièces, toi. Parce que je veux plus prêcher l'évangile net et propre. Tu n'as pas le métal, rien sur toi, non? Non, je n'ai rien, même là-bas que je n'ai. Mets ton téléphone sur. Attends. Pose au sol. Bon.
de vivre, il faut être sincère pour que Dieu puisse exaucer tes voeux, accepter tes voeux. Tu sais, il y a un truc, quand j'étais dans le monde mondain, j'étais trop bête. Le monde mondain t'aveugle. Tu crois que la vie est rose. Ce n'est pas rose. La vie n'est pas rose. Tu me comprends? Non, je t'écoute bien. Je vais essayer de te commencer par quelques cantiques. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, que l'amour, comment il est. Ne peut pas moi. Non. Même pour les criminels, tu n'as pas. Répète après moi. Comment il est. Il est si beau qu'on ne peut le comparer. Il est si beau qu'on ne peut le comparer. Il est si beau qu'on ne peut le comparer. Oh, que l'amour, comment il sent. Il sent si bon qu'on ne peut pas le sentir. Il sent si bon qu'on ne peut pas le sentir. Il sent si bon qu'on ne peut pas le sentir. Oh, quel amour, quelle élégance. Tu es malade, tu me dis sur moi. Oh, ok. Quelle élégance, il est si élégant qu'on dit que grand sape. Il est si élégant qu'on dit que grand sape. Il est si élégant qu'on dit que grand sape. Oh, quel amour. Bon, je vais chanter à quel moment, chaque fois bien. Tu ne chantes pas, tu écoutes, toi chanter, tu connais quoi? Okay. Tu connais cantique. Tu connais, tu as déjà chanté un jour une chanson de cantique. Non. Bon. Dis-moi, qu'est-ce que tu as déjà fait de mauvais dans ta vie? Je vais commencer par... Ne me manque pas, hein. Mais tu as fait quoi de mauvais? Je vais commencer par comment, Figo. Tu sais, j'avais une femme. J'étais avec copine ou femme? Copine. Copine comme ça, barbare. Oui. Elle est devenue enceinte. Elle a même accouché. Depuis, elle m'amène l'enfant. Je ne fais que fuir. L'enfant a déjà aujourd'hui 15 ans. Tu as fait comment? Viens. Appelle-la. Excuse-toi. Il n'est jamais tard. C'est vrai ça. Appelle-la, tu t'excuses. Mais tu sais que c'est notre enfant. Non. Il me ressemble. Bon, voilà. Bon. Tu sais qu'au quartier, on disait que toi, tu volais tout. Ah oui, voilà. Voilà. Tout volait. Voilà, ouais. Hé hey, les câbles, l'électricité, c'est moi qui. Voilà. Volais ça. Dieu aime quand tu es sincère. Non, je suis sincère. Bon, je vais pouvoir te permettre de que Dieu puisse tamiser tes prières, voilà, et t'apporter une solution dans ta dans vie. Ferme-le. Tu les chapeaux. Je peux mettre la main comme ça. Viens avec ta tête. Je lis aussi, je... Non, tu lis quoi? Tu lis quoi? Ma coupe va toi au gris. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. En ce jour où l'Éternel entra. En ce jour où l'Éternel entra. Dans ma chair de ma chair. Dans ma chair, ma chair. Je veux pouvoir me valoir. Je veux pouvoir me valoir. Valoir. Je veux pouvoir me valoir. Afin que. Le Dieu puisse exaucer les cantiques fistoporiels. Non, là. Je... Ça, c'est tu, hein.
Fistoporiel. Fistoporiel. Dieu Jésus-Christ. Dieu Jésus. Ne crie pas. On ne gronde pas Dieu. Tu crie quoi? Tu le grosses ton ami? Non. Tu le connais? Ton enfant? Non. Tu as habité chez lui, ton bailleur? C'est quoi? Tu grondes pas quoi? Non, je ne dois te gronder. Dieu l'Éternel nous a pu pouvoir nous créer, nous fabriquer, nous démonter à son image. Okay. Répète encore. Dieu l'Éternel nous a pouvoir nous fabriquer que à son image. Nous a pouvoir fabriquer que son image. Ce qui ressemble au chaos. Ce qui ressemble au chaos. Et alors, je m'en fais chier. Pour pouvoir me dire des choses. Oh là là. Le diable ne m'en aura pas. Je ne succomberai pas à la tentation. Diable est trop fort. Et alors toujours. Trouve-le pourquoi. Non, mais... Regarde, c'est bon, regarde. Regarde, je vais te vendre ça. Mmh. Là, tu vas pouvoir lire ça. Le matin, quand tu lèves et avant que tu dormes. Bon, je chante aussi. Non, tu sais pas, tu lis seulement les versets. Maintenant, Dieu, normalement, ne demande pas l'argent. Mais tu vas faire ce qu'on appelle l'offrande. Oui, l'offrande. Oui, donne-moi, offre 1000 francs, je te garde ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Je pense que je. Attends, je vais faire un saut de l'air. Ok, vas-y. Tout de suite. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Et si, baby. L'abbé Pigon. Pour partir chercher 1000 francs, tu sais. Je sens que si c'est 10 000 moules, Ngazo à vacances. Non, laisse. Ce que tu m'as fait ce matin. Je serai ici la semaine prochaine, mais avec l'eau bénie. Mmh, voilà. Je vais te dire comment tu vas te laver avec l'eau bénie. Comment tu vas te prêcher. Et vraiment, tu vas voir comment Dieu va ouvrir tes portes. Merci. Vieux, Dieu est miséricorde. Dieu est miséricorde. Très miséricorde. Bon. Je suis en train d'aller dans la famille Albert Fonga. Mmh. Oui, le type qui a Foukali là. Mmh. Oui. Soufou, Albert Fonga, oui. Je vais un peu les prêcher l'évangile parce que la semaine se passée, je suis allé chez. Papa Ngouchengue Sylvestre, tu le connais? On m'a dit ça même hier. Le mari de maman Caroline, je suis parti là-bas. On m'a dit hier que tu pêchais dans le je bâtiment. Je suis mortel. Je suis quoi? Mortel. Voilà. Tout à l'heure, non? D'accord. La belle Figon. Oui. Que Dieu te conduit, tu pêches bien. Que le Seigneur soit avec vous. Voilà, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen. Tout à l'heure, non? Ok, tout à l'heure. Amour de Dieu. Hey yo, tu m'as reconnu sur le El Pichino Monumento. Si je suis là, c'est pour te parler de ceci. Et oui, Adi Groupage et Service est votre partenaire sûr et fiable dans le groupage. Import-export, fret international, commerce général, transport des colis, transport des véhicules, vente et location de conteneurs. Chez Adi Groupage, nous mettons à votre disposition deux départs de conteneurs par mois, Paris Douala et Yaoundé. Faites confiance à Adi Groupage pour le transport et l'acheminement de vos colis à des prix exceptionnels. La rapidité et la fiabilité sont nos maîtres mots. À Paris. Alors sache que désormais, tu peux prendre un colis envoyé au Cameroun sans tout être agacé. Oui, une seule adresse. Il n'y a pas mieux.
dans le Tillet 95, Adi Group. Oui, Adi Group, c'est cette entreprise-là, en effet, qui est venue sur Paris faciliter la transaction de vos colis, conteneurs, véhicules et autres. Faites confiance à Adi Group. Avec Adi Group, c'est l'assurance. Avec Adi Group, on dort tranquille. Avec Adi Group, stop aux tracasseries. Voilà pourquoi je vous le conseille. Je vous le conseille. Adi Group, toi et moi, pour la vie. Chez Adi Group Age et Service, vous serez toujours satisfait. Yeah, visual, oh, oh. Been a young man.